Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 22e épisode de notre aventure sur Far Cry Primal. De retour pour encore un épisode un peu plus chill. Mais ça y est, on commence à se rapprocher finalement des embrouilles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un me voit que moi je vois pas? Ah, ça se passe là-haut. Des chasseurs. Des vilains chasseurs. Les amis, je me suis téléporté, souvenez-vous. Donc on avait fait cette zone. Je me suis téléporté un peu plus haut ici à l'avant-poste du lac Ripou puisque on va se rapprocher, explorer cette zone, les amis. Mais du coup, sur le chemin, regardez, nous avons des objets de collection ici. Maskizila. Main d'Aïcha, Maskizila et main d'Aïcha. Et après on va pouvoir partir par là et remonter au fur et à mesure pour être un petit peu confronté à la fraîcheur, parce que là on profite de la chaleur, mais on va être très vite confronté, messieurs dames, bien sûr, à la chaleur. Bref, objet donc de collection. D'ailleurs, il n'y a plus de lieu inconnu ici. On a exploré d'ailleurs toutes les grottes dans le coin. Ça, c'est pas un problème. Là, c'est vraiment juste les objets de collection. On commence ici et on va suivre tout simplement le cours d'eau par là. Voilà, vous l'avez compris. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, évidemment. Installez-vous confortablement. Prenez à manger, prenez à boire. N'oubliez pas le ventilateur, très important. Ou si vous avez la chance, le luxe d'avoir de la clim, ça fait plaisir. Mais si ça se trouve, il fera peut-être pas chaud au moment où la vidéo sortira, je ne sais pas encore. Mais au moment où je tourne cette vidéo, j'ai extrêmement chaud. Voilà, il faut le savoir. J'ai vu quelqu'un courir là-bas, mais ce sont des alliés. Donc tout va bien à ce niveau-là. Je vous embrasse, les amis. N'oubliez pas évidemment le pouce bleu en ce début d'épisode et de vous mettre dans le noir pour évidemment profiter un maximum de cette immersion immersive. Ça fait plaisir. Ils sont en train de crier, je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'ils se font attaquer par des animaux. Ça, c'est vraiment absolument absurde, voilà, finalement, de crier lorsque des animaux nous attaquent. Il faut cesser s'imagrer et surtout accepter le destin, tout simplement. Voilà, si on a envie de me bouffer le fion, eh bien on me bouffe le fion. C'est comme ça, c'est la vie qui veut ça, finalement. Voilà, allez, on récupère un maximum de feuilles rouges. Alors, déjà, on va se détendre parce que je vais faire une action de folie. Je vais renvoyer le dent de sabre. Oh, je vous avais pas vu, vous. Et là, regardez, parce que je vous fais un tour de magie. Je vais vous faire un tour de magie. À la Onegun ! Paf ! Paf ! Paf ! Voilà, c'était que des innocents. Hein. J'étais absolument pas obligé de les fumer. Mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc je l'ai fait. Hein. Si ça me fait plaisir, je le fais. C'est tout. Cherchez pas à m'embrouiller, tout simplement. Allez, on se rapproche du masque Krati. On récupère toujours les loot sur le chemin. Alors attends, tu vas te détendre déjà. Hop, dans ta gueule. Oh bâtard. Alors attends. Paf. Voilà. Paf. Voilà, 3 saguets dans la face. Et c'est fini, mon gars. Saguets, mes petites chéguets. Ça régale. Quel bonheur. Quel bonheur, messieurs, dames. Ça mérite évidemment le petit pouce bleu. Encore une fois, je force. Mais vous savez pourquoi? Parce que j'ai joué au jeu YouTuber's Life. Et du coup, maintenant, je connais les codes pour avoir un maximum d'abonnés. Et il faut vraiment demander à fond les pouces bleus, etc. Voilà, un bonheur. Un bonheur d'user du bois pour rien. Voilà, hein, ça fait plaisir. Je peux ramasser les sagas ou... Ah, parfait, il y en a une qui est tombée. C'est bon, elles sont tombées, c'est parfait. Allez, on enchaîne directement sans plus tarder avec un Maskizila ici. C'est parti. On ramasse les roseaux. As-tu vu? As-tu vu les quenouilles? Ah, je vous l'ai déjà fait, excusez-moi. Voilà, c'est mon humour. Mon humour est cassé, j'en suis absolument navré. Et si vous appréciez mon humour, eh bien, je suis désolé de vous apprendre que votre humour est également cassé. Voilà, il n'y a plus rien à faire pour vous, il n'y a plus rien à faire pour moi. On est ensemble, voilà, nous sommes une secte finalement. Alors là, regardez, il y a des gens que j'aime bien. Ah bah oui, c'est vraiment des gens que j'aime bien pour le coup. Voilà. Un bon épisode commence toujours par un poulet. Et puis voilà, hein, tout simplement, un petit poulet le samedi ou le mercredi devant Texas Ranger, c'est un bonheur, évidemment. In the eye of the Ranger. Bref. Alors attends, parce que moi je m'en fous de vos histoires. Le Maskizila. Il est là-haut. Hop. A pu. Ensuite,
On enchaîne un autre Maskizilla. Mais en fait, ils sont tous là, les Maskizilla. En fait, si vous regardez, il n'y en a pas ailleurs des Maskizilla. Ailleurs, c'est des bracelets Wenja. Et là, ah oui, mais on va en fait, là, c'est bon. Là, on est en train de se faire tous les. Je suis indécis par mon chemin que je veux prendre. Là, on est en train de se faire tous les Maskizilla. C'est superbe. Non, mais je pense qu'on va vraiment. Je vous assure qu'on va finir ce jeu à 100%. Peut-être, quoi. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Parce que, à part le boss, le deuxième boss qu'on doit faire, à moins qu'il y ait encore un troisième boss qui va apparaître. Mais sinon, je vois pas, quoi. Je veux dire, sinon, on a fini le jeu, quoi. Bon, toi, dégage. Pas possible, oui. Hop là, je te passe par-dessus. Tu vas faire quoi? Hop! Dans ta gueule! Oh putain. Ah, voilà. Ah, voilà. On est en difficulté difficile, évidemment. Oh, je cherche pas des excuses. Bah, c'est pas grave. On repart. On repart, on n'a rien vu. Mais alors moi, ce qui me fume, c'est que si tu lui donnes des coups comme ça, là, il meurt pas. Par contre, tu lui envoies ça dans sa figure et il meurt. Mais comment se fait-ce? Parce que t'as plus de force à courte portée, me semble-t-il. Je me trompe peut-être. Dégage. Pauvre petit singe. Je vais caresser le ventre. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde, regarde. Paf! Là, il meurt. Alors que pourtant... Bah, je comprends pas la logique. Voilà, peut-être que je suis plus force. je suis plus musclé à longue distance dans le jeu et pas en vrai. Je sais pas. Je sais pas, mais on profite de ce beau soleil dans la face qui évidemment nous empêche de voir aux alentours, mais en tout cas qui voilà, fait un petit peu égayer la journée. Hein, si je puis dire. Oh, vous vous souvenez, on était ici, on avait brûlé les champs ici, c'est génial. C'est top, hein, les bons souvenirs. Les bons souvenirs. Alors, ça, ça fait plaisir également. Peau de poisson croc. Ça sert absolument à rien. Mais ça a le mérite d'être ici. Ok, on arrive près d'une cascade. C'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. Le masque. Ah ouais, alors ça va être chiant, ça. Ok. Alors attendez, vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Oh, érable du sud, très bien. Là, il y a un grappin. Il y a un grappin. Il y a surtout un tronc d'arbre qui me propose d'aller là. Étrange, me diriez-vous. Il y a pas de grappin. Hop, plongeons bien sûr. Ça fait toujours du bien. On passe par là, c'est bon, j'ai capté. Tac, par ici bien sûr. Et là, messieurs dames. Et là, messieurs dames, il y a un grappin. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi évidemment. J'atteins l'autre point. C'est parfait. Et là, je grimpe. Et le masque, je sais toujours pas où il est. Attends, je vais atteindre quand même ce point là. Voilà. Voilà. Ça, c'est du parcours comme on aime. Ça y est, je vois le masque. Je vois le masque, il faut que je tente un truc. Behind the mask. Mais là je vais jamais y arriver là, mon truc là. Là il faut que je... Ah si, je vais y arriver. Regardez-moi ça. Ah mais non, ça marche pas. En fait, je me cogne, je peux pas prendre d'élan. Oh, c'est terrible. Oh, ça me frustre. Si vous saviez à quel point ça me frustre. Là si je me lâche, je meurs. Oh ça y est, c'est bon, j'ai le truc. Hop. Impeccable, abonnez-vous hein. Bah je suis pas mort, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah j'ai trop le seum, ça m'énerve. Oh ça m'énerve. Bon, on va y arriver. On va faire ça autrement, c'est pas grave. On va simplement monter tout en haut. Ah c'est dommage, j'aurais bien aimé voir le nid. Y avait un nid là-bas, c'était intéressant, mais bon c'est pas grave. Là on va passer par là. Et là je pense que je peux l'atteindre d'ici. Ah. Oh putain. Oh, je me suis sauvé là. Oh là, je me suis sauvé. Alors, attends. Voilà. Hop. Et voilà. Maskizy là, c'est fait. Et finalement, je peux aller voir le nid. Mais y a rien à faire sur ce nid. Je peux le brûler, mais je vois pas l'intérêt. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, prochain Maskizy là, c'est par ici. Alors, est-ce qu'on fait un plongeon? Bien sûr. Oh. Magnifique. Alors là, évidemment. Ne faites pas ça chez vous parce que là normalement vous êtes mort.
Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Et alors par contre, sincèrement, j'aimerais vraiment que vous me dites en commentaire, une fois que ce let's play sera terminé, parce qu'il faut quand même qu'on se... Faut pas qu'on se voile la face. Faut pas qu'on se voile la face. Eh, tu touches pas aux poules, toi. Tu touches pas aux poules. Wesh, vous avez vu comment je l'ai giclé? Oh, waouh. Bref, on va pas se voiler la face. On arrive vers la fin. Une fois que j'aurai fini ce let's play, concrètement, sincèrement, si je refais un let's play... Si je refais un let's play, vous voudriez que ce soit un let's play sur quoi? On a le choix, en vrai. Quand je parle de let's play, c'est vraiment sur un jeu que je considère de... Enfin, vraiment... Un jeu hautement classé pour moi. Salaud, va. Parce que je veux dire, à tout moment, je peux faire également un let's play sur un jeu un peu plus indé. Mais là, je vous parle vraiment d'un gros jeu, entre guillemets. Alors attention, parce que le jeu Green Hell, c'est un jeu indé. Donc c'est pas le bon exemple. Mais c'est un jeu masterclass pour moi, Green Hell. Bref, il y aurait le choix entre soit faire un let's play sur Green Hell, soit un let's play retenté sur Far Cry 5... Soit sur Minecraft, oui, vous m'avez bien entendu. Voilà, n'hésitez pas à me proposer tout simplement des idées de où c'est que vous voudriez me voir après ce let's play. En termes de let's play, je parle bien sûr parce que d'autres vidéos voilà, verront le jour de tout type. Je ne sais pas encore vous dire lesquelles, mais voilà. Mais là, je vous parle vraiment en termes de let's play, donc des vidéos avec des épisodes où tout simplement vous vous régalez. Le masque est juste là. Alors attends. Parce que là je fais que des conneries depuis ce début d'épisode. Oh je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh regardez cette vue incroyable. 18 sur 25. Eh bien écoutez, on va pas s'arrêter en bon chemin. Hein. Hop. On continue par là-bas. On va se rapprocher de la région magnifique. Alors attendez parce que là je suis un peu dans un bourbier. Allez. Voilà c'est comme ça que ça se passe. Impeccable. Mais ça me manque quand même d'un wingsuit. Et je suis déçu parce que, souvenez-vous, Urkill Penseur là, eh bien, je pensais vraiment qu'on débloquerait un wingsuit. Bon après voilà, faut pas non plus exagérer. Hein, mais... La chèvre, bonjour. Le serpent, hop, voilà, tout de suite, hein, un gros chais dans ta face. J'adore les sagaies. Oh là là, incroyable. Incroyable, hop, voilà, tout est au max. Tout est au max. Voilà. On est pas trop mal du tout. Ça c'était un avant-poste qu'on avait fait bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite. Oh mais c'est pas possible. Ils m'ont rarement posé de problème les serpents hein. Et là là c'est la folie hein. Et vous savez ce que je vais faire? Avec toutes les... Mince c'est pas ça. Avec toutes les... Oh bah merde. Avec toutes les fleurs rouges que j'ai là. Parce que j'en ai pas mal non? J'en ai 16. Je vais réanimer direct mes bêtes. Comme ça c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Même les dos là. Voilà toutes mes bêtes sont réanimées là. Toutes mes bêtes sont réanimées. Par contre je veux pas de toi. Voilà. C'est une belle idée que je viens d'avoir. Comme ça je peux ramasser de nouveau les feuilles rouges tranquille. Hop. Merci bien. Viande. Os. Très bien. Roc du sud. Très bien. Ah c'est un singe. Salut les rouillas. Hop. Dans ta gueule. Hop. Dans ta gueule. Je suis très vulgaire évidemment. Je m'en excuse évidemment. Hop. On récupère du bois. Oui d'ailleurs j'avais vu là avant confection confection disponible. Couteau de pierre. Les couteaux de pierre infligent des dégâts aux ennemis une fois lancés. Les tirs à la tête sont mortels. Amélioration peut traverser la plupart des masques ennemis. Ok. Donc là t'es en train de me dire que là là le couteau de pierre il va déglinguer les masques des ennemis. Après les masques c'est pas non plus des casques 14-18 hein. C'est pas non plus incroyable hein. Ah là. Mais bon ça a le mérite ça a le mérite. Il est où? Il est là. Très bien. Alors est-ce que je suis le chemin là ou... Non normalement ça va être par là. Oui tout à fait.
Tout à fait. Très joli. On est encore jamais allé vraiment là. Pff, ouais, si peut-être une fois du coup, mais. Ah. Là. Il est là. Tu l'as vu? Et voilà. Lui, il l'a pas vu venir. Ensuite. Eh ben, on va continuer de monter. Maskizilla. Donc oui, on va pas suivre le chemin. On va grimper. Bah attends, mais je suis bête. On a les grappins. Évidemment, profitons-en. Et là, on va commencer, les amis, à explorer une nouvelle zone. Et ça, franchement, autant vous dire, ça m'excite. Et j'espère que vous aussi, ça vous excite. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Évidemment, en commentaire. Ça fait plaisir. Hop, là-bas, on voit de la neige. Mais on n'y va pas, vous inquiétez pas. Pas encore. On ira, on ira. Alors attends, parce que toi, tu fais trop le malin, je trouve. Hop ! Ah ! Ah, ok. Ah ok. Bah là le temps de me soigner, je vais juste mourir. Oh là 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 là. Oh là là. Oh l'échec. Aïe. Ça y est, il se barre. S'il se barre, c'est qu'il a mal. Ah, malaise. Voilà. Hein, ça va la comédie. Hein. Tu me fais pas des hein, d'accord. Merci. Allez, profitez-moi de cette belle vue, de cette belle cascade. Mais on est, je suis trop con, on connaît cet endroit. On connaît cet endroit puisque c'est là qu'il y avait Urki, justement, le penseur. Par contre, après, on ne connaîtra pas et ça, c'est top. Ok. Allez, c'est parti. Petit plongeon. Des familles. Tac. Alors. Régale-moi. Parce que là, je avec les chutes d'eau... Va falloir trouver hein. C'est trop stylé. C'est tellement apaisant je trouve d'être sous l'eau. Quand on voit le fond bien sûr hein, pour les thalassophobes. Mais là regardez ça c'est. Être sous une cascade comme ça. C'est tellement apaisant. C'est génial. Va trouver le masque Krati là tiens. Bah on va monter. On va monter. On va monter. Je savais même pas qu'il y avait un grappin là. Tu rigoles? J'aurais pu rejoindre Urki par là directement au lieu de faire mes simagrées là. Ah non, c'est encore notre endroit, ok. Par là, ouais. Wouhou! C'est tellement chouette. Tellement chouette. Hop! Petit aigle royal. Point suivant. Allez, hein. Un bonheur. Et vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'ai même pas vu où c'est que c'était. Ah, c'était là. Voilà. Et. Non, je vois pas d'ici le masque. Merci, bonsoir. Waouh, on est super haut. Ah, il est là-bas. Je le vois. Je le vois, je sais pas si vous le voyez. Paf! Ok. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. C'est pas grave. C'est pas grave, on est en train de faire l'ascension de l'Everest, bien sûr, MDR. Non, là, je peux l'atteindre, je pense. Wesh. Non, là, c'est abusé. Tu rigoles ou quoi? Oh, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est trop mal fait aussi. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est la retombée des flèches. Mais pas du tout. J'ai essayé de mille et une façons, c'est juste c'est trop loin. Putain, c'est tellement con. Et là, je me fais aspirer par la cascade et je redescends tout, tu sais. Trop marrant. Alors attends. Ouais, mais tu veux que je fasse comment là? Oh. Tu vois, regarde, il y a mes flèches là. Dis pas que. Dis pas, je sais pas quoi. Ah, mais là, si je descends, je peux plus remonter là. Ah là 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 là, quel enfer. Ah, ouais, non, mais là, si je descends, je peux plus remonter. Vas-y là. Oh non! Allez hein. Allez hein, suce ma bite. Allez, je monte à dos du dent de sabre. On va monter rapidement comme ça. Parce que là il est hors de question que je refasse l'ascension qu'on vient de faire là. Ça va 2 minutes hein, la comédie. Voilà, on va passer par là. Tant qu'on y est, ça dégage. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, salut les chèvres. Salut
J'ai failli te rentrer dedans. Donc là, on passe par ici, bien sûr. D'ailleurs, attendez, parce qu'en vrai, on est en train de se rapprocher de... tout ce que je veux dire, on passe juste à côté là d'une main d'Aïcha et tout ce. Donc on va, en vrai, on va en profiter pour faire une petite boucle. Si déjà on marche par là, voyez-vous ce que je veux dire. Oh putain, la chèvre. Elle a pas fait attention à ses angles morts, elle non plus, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, voilà, je fais vraiment un grand détour. C'était pas comme ça que j'avais prévu la chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, ça m'a saoulé, hein. Là, la chute, ça m'a saoulé. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Hop là. Hop là, hop là. On donne des coups, on donne des coups, nous, hein. On se laisse pas faire. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, là? Plus j'avance, plus je m'éloigne. Plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Allez. Bon, voilà, c'est ça ce qui est vraiment bien fait, là. Oui, je suis en train de mitrailler le... Voilà, ça y est. Ok. Ensuite, on va passer par là. On s'improvise des chemins, messieurs. Oh là là, c'est terrible. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Tu vois, je me suis rapproché, je me suis éloigné. C'est incroyable. Bon, bref. C'est pas grave. C'est pas grave, on va pas râler. Que de la good vibe. Salut mon frérot. Je te pique. Je te pique ton tronc d'arbre. Voilà. Ah tiens, viens. Mais je vais te monter dessus. Oh, c'est terrible. Pff, toujours il perd de la vie, tu sais même pas pourquoi. C'est incroyable. Mais non, mais je t'ai déjà donné à manger. Vas-y, je vais te goumer toi, hein. Allez. Merci, bonsoir. Elephant, c'est un éléphant. Avec sa trompe, il fait du vent. Attrape les papillons dans ton filet. Si qu'un est plus, il a gagné. Mashman des Oudam. Allez, superbe. Superbe. J'avais pas prévu ça, mais c'est cool. Et alors? Là, je vois la main. Allez, mais c'est pas possible. Mais il faut pas mettre des trucs dans des endroits où on peut pas accéder, hein. Voilà, main d'Aïcha. Ensuite... Oh putain, je suis bloqué. Mais MDR, je suis bloqué. Je suis bloqué! Pardon, excusez-moi. Mais c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie... Et je suis censé... Mais non, c'est une dinguerie. Je suis censé monter comment? Oh, c'est une dinguerie de faire ça. Mais il faut pas mettre des troncs si tu peux pas les monter. Mais attends, mais c'est complètement dingue. Comment tu montes là? Il y a un tronc là, c'est fait pour monter, non? Ah là, je le vois le masque. Ah mais c'est trop loin. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Donc tu vois, il y a pas de retombée de flèche en vrai, hein. C'est de la connerie. Ensuite, on va s'occuper de celui-là là-bas. Voilà. Ah là, on again. Ok, ça marche pas, c'est pas grave. Je vous ignore. Pas le temps pour vos conneries, moi. J'adore la musique. Je croirais sur Modern Warfare 2019. C'est une dinguerie. Zubi. Du coup, je peux pas te monter parce que t'as 1% de dégâts, hein. Oh, tiens, je t'en mets un petit peu plus dans ta gueule. Non, sérieux, c'est abusé. Pourquoi je peux pas lui monter alors qu'il est à peine blessé, quoi? C'est fou. C'est fou. Et là on découvre des lieux inconnus également sur le chemin, donc c'est plutôt pas mal en vrai. Un perchoir du Kumba. Et ma Kumba, ma Kumba. Salut. Winja. 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 On s'en fout. Voilà. Oh là là. Oh, petit ours brun. Qui a peur de mon dent de sabre? Petit ours brun. Bah alors mon ref. Voilà, j'avais envie de le porter, j'avais envie de faire un petit peu mes biceps, hein, finalement. Allez. Aouh, aouh. Ça me fume parce que tout ça on avait déjà exploré. Mais on n'avait pas prêté attention à ce moment-là au masque, etc. Ce qui est complètement dommage. Parce qu'on était vraiment juste à côté, tu vois. T'as juste à faire ça. Et. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, il est là, pardon. Voilà. Ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu. Paf! Ok, je peux pas récupérer. Ensuite. Ah! Mais il est pas cool, lui. Ensuite, alors attends juste. Repère. Les lieux inconnus, là.
Bah, y a pas de lieu inconnu ici. Attends, tu fais lieu, voilà. Ouais, c'est bon. Donc, objet de collection. Ouais, donc là, va falloir réussir à choper ce masque Izzy-là, là. Mais ça me fait péter un plomb. Il m'a fait trop peur. Ça me fait péter un plomb. Bon. On va les laisser se débrouiller entre eux. On va revenir par là. Tiens le coup, mon ref. Voilà. On va bientôt explorer la nouvelle région. On commence à y arriver, mine de rien. On commence à y arriver, mine de rien. Si je ne me recasse pas la gueule depuis, entre temps. Ok, on redescend. Fais pas l'acteur avec moi. Ça marche pas. Alors. Tac. Voilà, on est de retour ici. Hop! Un régal! Un régal, et du coup, voilà, on est de retour ici, là où je me suis cassé la gueule, souvenez-vous, tout à l'heure. Alors, c'est là que je suis tombé. Donc là, ce que je vais faire, c'est ça. Ah! Oh! C'est en dessous de moi. Ah, c'est où? Non, c'est trop, je vais péter un plomb. Non, c'est où? Je vois ma flèche. C'est une dinguerie. Il est juste en dessous de moi. Hein. Ah ah! Ok. Allez, on va tenter un miracle. Ouais, voilà. C'est fort, oh, c'est aberrant. C'est aberrant. Donc voilà où j'ai respawn tout à l'heure. C'est aberrant. Bah écoutez, tant pis, je vais devoir refaire cette ascension complètement débile. Je vous retrouve juste après. Bon, je reprends le record parce que ça fait 3 fois de suite que j'essaye d'atteindre le point suivant et que ça marche pas. Non, c'est une dinguerie ce jeu. Ah ouais, 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 ouais. Bah y'a pas moyen. Y'a pas moyen, Jaja. Y'a pas moyen de grimper, regardez. Atteindre le point suivant. Ça y est, j'ai réussi. Non mais c'est une dinguerie hein. C'est 4 fois de suite. C'est fou. C'est fou. Et pourtant. En plus ce soir il se couche. Ouais bah du coup Attends mais vraiment j'arrivais pas à l'atteindre là, je comprends pas. Hein. Oh. C'est une dinguerie. Oh je l'ai eu. Oh je vais péter un plomb. Oh c'est vraiment de la merde. Ensuite la main d'Aïcha. Juste au-dessus donc je continue de remonter. Et c'est une dinguerie vraiment hein. Ça, ça m'a fait péter un plomb. Et une fois que t'es là, tu peux pas grimper plus, c'est ça? La subtilité? Ah ouais, d'accord. Et alors? Une fois que t'es là, tu peux rien faire. D'accord, donc il faut faire quoi? Faut encore redescendre, mourir? Peut-être, hein. Parce que là... Bah parce que là, c'est ce qui se passe. Voilà, hein, tout simplement. Oh ouais. Oh, je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis mort. Allez, j'ai fait un petit somme. J'ai mon dent de sabre. Je le monte. Et on va grimper. Alors attends, maintenant on va essayer d'être malin pour monter parce que ça commence à me saouler. Bah ouais, t'as pas le choix de faire tout un détour à la one again. Faut monter là. Ouais, c'est ça. Ok. Ah là 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 là, c'est parti. Je ne comprends pas. Là ici, on a le Urki qui essaie de voler, souvenez-vous. Je ne comprends pas. J'en perds ma voix. Je ne comprends pas, voilà, l'intérêt de grimper. Avec les grappins et au final je peux quand même pas monter tout en haut. C'est à dire que tu grimpes et puis après tu te retrouves bloqué et t'as pas le choix de juste de mourir en fait. Ou de redescendre bien sûr de manière sécurisée. Alors ça c'est... Ça c'est terrible hein. Hop. Voilà donc c'est par ici. Impeccable. Dernière ligne droite avant les nouveaux horizons. Pourrait être très déceptif évidemment mais bon. Je récupère un maximum de feuilles rouges. Un petit peu de bois parce que c'est vrai que j'en ai pas mal usé pour ce masque easy là de teubé. C'est vraiment pratique, il n'y a pas l'animation de pour récupérer le bois donc c'est vachement rapide en vrai. Ah bah là je suis full. Je suis full de bois carrément, c'est bon ça. Allez, nous voici donc tout en haut. Nous voici tout en haut. Pardon. Hop.
Plongeons dans l'eau. La main d'Aïcha. Oh merde, mais elle est là-haut, la main d'Aïcha. Qu'est-ce qu'il me fait là? Tu te baignes? Qu'est-ce qu'il fait fort là? Il veut se baigner aussi. Alors. Là, il y a un grappin. Très bien. Je grimpe. Bien évidemment. Ah. Un épisode chill, on a dit. Hein. Voilà, bonjour. Et. La main d'Aïcha. Elle est en bas. Je me suis fait arnaquer. C'est terrible. C'est terrible de se faire arnaquer comme ça. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. Eh bien. Ça y est, on va entrer dans notre nouvelle terre qui, vous avez vu, se développe déjà rapidement puisqu'on avait la compétence qui permet de voir beaucoup plus d'avantages. Donc je vais pouvoir, hop, voir, voilà, non, on va avoir accès à un feu de camp, à un lieu inconnu. Donc là, c'est parti pour la découverte, messieurs, dames, de la nouvelle zone. Alors quand je dis ça, la nouvelle zone, j'ai vraiment l'impression que ça a été genre mise à jour, que c'était patché, que c'est une nouvelle zone qui vient d'apparaître sur Palworld ou sur Genshin Impact ou sur Fortnite. Non, non, c'est vraiment une nouvelle zone, disons, qu'on n'a pas encore... Du coup, découvert et exploré sur cette aventure Far Cry Primal. Évidemment, les amis, si vous nous rejoignez seulement, toujours 0-0 pour le match France Préhistoire. Et là, je suis censé aller où, espèce de salopard, va. Ça va nulle part là où je suis. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Il n'y a aucun accès nulle part. Oh. Allez, allez, allez. Mais le mec, c'est un magicien. Mais le mec, c'est un magicien. Où c'est que j'ai spawn, là? Où c'est que j'ai spawn, là? Attendez. Où c'est que je suis, là, en fait? Lieu découvert. Ah ouais, il m'a fait spawn là, le bâtard. Je suis encore plus loin que... Oh, je vais péter un plomb, hein. Oh, je vais péter un plomb. Faut que je remonte et tout, là. Allez, à tout à l'heure. Ou à jamais. Allez, là c'est le moment où on va rigoler. Il reste 500 pas. Je reprends le record maintenant parce que je me dis qu'à tout moment, il va m'arriver encore une dingue. Écoutez, je passe par je sais pas où. Je suis jamais passé par là, j'ai l'impression. Ah bah si. Bah si, on est passé par là tout à l'heure, évidemment. Ok. Salut mon ref. Voilà, je crois qu'on y arrive. Là vraiment, faut qu'on débloque un TP là-bas. Faut absolument qu'on débloque un TP rapidement là-bas. Parce que sinon... c'est à côté, mais voilà, il faut faire toute une boucle. C'est aberrant. Hein. C'est aberrant. Hein. C'est la dernière fois que je refais ce chemin, hein, par contre, hein, je vous le dis. Hein. C'est la dernière fois que je refais ce chemin. Et purée, je dois aller où? Ok, c'est par là. Il y a une chasse bête environ. Je monte par où là? Ah, il y a un chemin là. Il y a un chemin tantôt. Il y a un chemin en bas. Et sauf que je vais descendre, il va falloir que je remonte tout. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah non. Non, c'est safe, je peux descendre. Et non, et après je monte par où? Oh. Bizarre, bizarre, mais je vais tenter. Je vais tenter quand même. Je vais tenter quand même le chemin là. Voilà, tu vois, il y a une sorte de chemin là. Alors je vais suivre. Hop là, plongeons dans les cailloux. Donc là, il y a une chasse aux ours. Ah! Wesh, refais plus jamais ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah mais j'ai pas le choix de passer par là. Ah non hein. Ah non hein. Explorer la grotte. Mais non, j'ai pas le choix de la faire. J'ai pas le choix de faire la grotte. J'ai pas le choix de faire la chasse là. Ah là là, j'ai pas le choix de faire la... De... Oh purée, mais c'est pas possible. Bon, au moins ça me fera un animal en plus. Ça me fera un animal en plus. Ouais, le grand ours balafré, quoi. Ah là là, je pensais pas que j'avais pas le choix. Ah bah j'ai juste pas intérêt à mourir, du coup. Ah bah si je meurs, c'est pas grave, y'a un feu de camp, là. Donc, dans tous les cas, je respawn ici. C'est bon. Mais, ouais. Sérieux. Peau de grand élan roux. Parfait ça. C'est parfait ça. Allez, on arrive sur cette fameuse nouvelle zone. Très excité. Hop.
Examiner la peinture rupestre. Enquêter. Jawa Hans Mash Hassan Jawa. Oh, j'aime pas ça du tout. Chasse au grand ours. Balafré. Pister le grand ours. Eh bien, les amis, est-ce qu'on a un petit aperçu? Oui, nous avons un petit aperçu sur ce qui nous attend. Pas du tout. C'est une zone qui me paraissait tropicale. Eh bien, je suis absolument déçu. Il n'a rien de tropical. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était tropical. Pas du tout. Les amis, on s'en arrête là pour cet épisode absolument incroyable de cette aventure sur Far Cry Primal. Prochain épisode, donc, on va pister le grand ours balafré. On aura quand même fait de la chasse. Et puis, par la suite, on pourra éventuellement également chasser le loup rouge-neige, si vous me le demandez donc en commentaire. N'oubliez pas le like et on se retrouve très vite pour la suite de notre incroyable aventure. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous et à très vite. Merde, j'ai coupé mon micro. Bon week-end. Ciao tout le monde.